Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîte pour Horreur Arkham le JCE. On continue les cartes biclassées. Voilà. Alors une carte, aujourd'hui une carte biclassée gardien chercheur et une biclassée gardien truand. Comme je le disais dans la vidéo précédente, j'ai pas fait des découpages par l'autre classe. J'ai fait par nombre de cartes à présenter. Donc première carte, Michael Lay, un allié de niveau 5 qui coûte 4, qui occupe un emplacement d'allié donc, un icône d'intelligence, un icône de force, un icône libre, trait allié détective, vous gagnez plus en intelligence et plus en force. Après que vous avez enquêté réaction, après que vous avez enquêté avec succès, placez une ressource de la réserve de pions sur Michael Lay en tant que preuve, jusqu'à un maximum de 3 preuves. Réaction, quand vous initiez une attaque, inclinez Michael Lay et dépensez une preuve, vous infligez plus un dégât pour cette attaque. Il a 3 points de vie et 3 points de santé mentale. Alors, ses bonus passifs rappellent ceux de Grete Wagner de niveau 3 ou de théorie scientifique de niveau 3. Il donne un bonus en intelligence et un bonus en force. Donc, l'intelligence pour enquêter, la force pour combattre. Du coup, ça semble être un très bon allié pour investigateur polyvalent, investigateur gardien ou chercheur. On pense tout de suite à Joe Diamond, qui est a priori le plus polyvalent des chercheurs. Voilà, 4 d'intelligence, 5 de force. Pardon, 4 d'intelligence et 4 de force, donc avec l'allié, il monterait à 5 et 5. Maintenant, sa capacité en elle-même, c'est deux réactions. La première action, après que vous avez enquêté, vous mettez une ressource dessus. Bon, ça vous coûte rien. Et sa deuxième réaction, quand vous initiez une attaque, vous dépensez une preuve, vous infligez plus un dégât pour cette attaque. Alors, ça, c'est l'effet réel de la carte. C'est la première action, on va dire, on charge l'allié. La deuxième, on utilise l'allié. Alors, quelques remarques. Vous infligez plus un dégât pour l'attaque, un petit peu comme si vous aviez attribué un coup vicieux. Bon, sauf que coup vicieux vous donne un plus 1 en force, donc vous avez plus de chances de réussir votre attaque. Mais le coup vicieux est à usage unique. Là, potentiellement, on peut le faire à chaque attaque. Le truc, c'est quand vous initiez l'attaque, c'est-à-dire que vous dépensez la preuve avant de savoir si vous avez réussi l'attaque. C'est pas comme, par exemple, l'âme enchantée gardien de niveau 3. Vous initiez une attaque, vous dites « Bon, je pense que je vais la réussir, j'aimerais bien faire un dégât de plus, donc je dépense une preuve. » Et si vous ratez votre attaque, eh ben vous avez gâché cette preuve sur Michael Lay. Deuxième remarque, vous l'inclinez. Donc à moins d'utiliser une capacité de... Enfin, à moins d'utiliser un effet de redressement, il n'est utilisable qu'une fois par round. Vous pouvez pas le charger de preuves et vous dire, vu que j'ai 3 preuves dessus, je vais faire 3 actions de combat pour au total infliger 3 dégâts de plus. À noter, alors encore une fois je vais les citer, parce que bon, c'est une très bonne chaîne si vous êtes anglophone. Allez la consulter. Donc sur la chaîne The Whisperer in Darkness, ils ont mentionné les trois un truc aussi très vrai, c'est qu'il faut d'abord réussir des enquêtes. Ah oui, au passage, il faut réussir des enquêtes, pas simplement prendre un indice. Or, il y a des cartes, bon, que ça soit chercheur ou gardien, qui vous disent découvre un indice. Là, non, il faut réussir des enquêtes pour mettre des preuves, et ensuite on va utiliser les preuves pour faire plus de dégâts. Sauf que concrètement, quand vous voulez enquêter et combattre, en général vous le faites dans l'autre ordre, c'est-à-dire que vous devez combattre un ennemi pour pouvoir enquêter sans vous prendre d'attaque d'opportunité. Alors bien sûr, vous pouvez, par exemple, faire votre enquête au premier round, et ensuite utiliser la preuve gagnée pour faire plus un dégât au deuxième round. Mais
Si vous avez ça dans un deck, c'est que votre deck est polyvalent, que vous allez combattre et enquêter. Et encore une fois, la logique, c'est je m'occupe des ennemis pour que les lieux, pour qu'on puisse enquêter dans les lieux sans se faire attaquer. Donc l'effet, donc l'allié est quand même, moi je trouve très décevant. Il coûte 5 XP. Encore une fois, il coûte 5 XP pour les bonus. Vous avez Grete Wagner ou vous avez Théorie scientifique. Son effet en lui-même, il va potentiellement vous faire des dégâts en plus. Potentiellement, maximum une fois par round, il faut d'abord avoir enquêté. Donc encore une fois, si vous mettez ça dans un deck gardien qui joue preuve, qui joue scène de crime, qui joue leçon retenue, ça marche pas, vous mettez pas de preuve sur Michael Lay. Et donc, il n'y a pas de bonus. Si vous jouez un chercheur, ben, c'est-à-dire qu'il faudra que votre chercheur fasse des combats, et le bonus en dégâts, il pourra pas compter dessus pour vider son lieu d'un ennemi avec 3 points de vie. Non, non, il faudra qu'il ait d'abord chargé Michael Lay. À noter, quoi d'autre? Oui, bon, 3 points de vie, 3 points de santé mentale, ouais, ça c'est bien. C'est plus par exemple de points de santé mentale que Grete Wagner. Alors à noter un truc quand même de positif, les icônes. Intelligence, combat, libre. Si dans votre deck vous avez bien préparé, eh ben ça veut dire que quand vous enquêtez, vous avez un plus 2. Intelligence plus libre. Quand vous combattez, vous avez plus 2. Force plus libre. Et quand vous faites un test autre, donc test de volonté ou test d'agilité, vous avez quand même un plus 1. Ça c'est le point positif. Ce qui fait que, ben, en préparant cette vidéo, je me suis fait la réflexion qu'en fait, Michael Lay, il est, c'est pas dans un deck Joe Diamond solo ou multi qu'il est le plus approprié, mais dans un autre deck chercheur, selon moi, Rex Murphy. Pourquoi? Eh ben, parce que, je vais y arriver. Voilà, vous jouez Rex Murphy, donc que ça soit en tant que chercheur solo, pardon, ou chercheur multi. Je vais y arriver. Que ça soit en tant que chercheur en solo, donc bah, polyvalent par nécessité, ou en tant que chercheur polyvalent dans un trio ou un quatuor, eh ben, Michael Lay va lui donner un plus en intelligence pour l'aider dans ses enquêtes, éventuellement lui permettre de trouver un deuxième indice. Rex Murphy, vu sa réaction, voilà. On a envie de faire des enquêtes, c'est pas le genre de chercheur à qui on va donner beaucoup de cartes, de découvertes d'indices sans test. Donc on va avoir des occasions de charger Michael Lay. Et si vous voulez que votre Rex Murphy soit un petit peu polyvalent, il y a une bonne carte pour lui. L'étrange solution, Fiel Acide. Donc il faut identifier l'étrange solution. Sur l'étrange solution, vous avez 3 provisions. Et quand vous dépensez une provision, combattre, vous attaquez avec une compétence de force de base de 6. Cette attaque inflige plus de dégâts. Autant. Alors, comment dire? Autant certains chercheurs vont combattre avec une autre compétence. Alors, beaucoup de chercheurs. Par exemple, Daisy Walker, si on veut lui faire faire des tests, on va plutôt jouer J'ai un plan, ou le sort qu'il y a dans le pack Harvey Walters, dont j'oublie toujours le nom. Si on joue Ursula Dones, on va peut-être être tenté de combattre à l'arc. Joe Diamond, bon, lui, effectivement, il a ses pistolets, donc il va combattre à la volonté. Rex Murphy, ouais, il peut combattre avec son intelligence. L'agilité bof. Mais bah, il a accès à cette. Bah, il a accès à l'étrange solution. Force de base de 6. Avec Michael Lay, bah, bien évidemment, ça passe à 7. Que j'y revienne. Voilà. L'étrange solution, en plus de ça, déjà par elle-même, elle fait 3 dégâts. Et avec Michael Lay, on peut. Aller à 7. Pardon.
Donc 7 en force, et on peut rajouter le quatrième dégât. Et là, pour le coup, 4 dégâts en une attaque, ça vient à bout de à peu près tous les ennemis, à part les ennemis de fin de scénario. Autre remarque, Rex Murphy, il incite à réussir largement ses tests d'enquête. Une bonne façon de réussir largement les tests d'enquête, c'est de diminuer la difficulté, par exemple avec la lampe torche, le grand classique. La lampe torche utilise également des provisions, donc à ce stade-là, vous avez un deck. Si vous combinez, on va dire, les différents éléments du puzzle, vous avez un deck solo. La solution de combat utilise des provisions. Vous avez un intérêt à utiliser cette solution d'enquête qui utilise des provisions. Et ben, vous faites un deck, on va dire, assez simple et. Alors, j'essaie de parler tout en faisant ça. Vous avez un deck assez. Comment dire? Voilà, sans vous embêter avec trois types de recharges, avec plusieurs compétences à booster. Vous vous souciez uniquement de provisions. Et quand on regarde Rex Murphy, vu qu'il est dans le pack de Dunwich, dans le cycle de Dunwich, il a une construction qui fait qu'il peut avoir des cartes de plusieurs classes. Et en ce qui concerne les provisions, bah par exemple, il a accès à l'aventurier, qui pourra encore une fois recharger sa solution d'enquête ou sa solution de combat. Il a accès à contrebande, qui pourra doubler le nombre d'utilisations de sa solution d'enquête ou de sa solution de combat. Donc, je vais m'arrêter là. Michael Lay, il est pas génial, il est trop cher. Alors, il paye en XP le coût de son biclassage. Parce qu'encore une fois, moi je trouve que si vous jouez gardien, surtout si vous jouez gardien spécialisé en combat, Grete Wagner de niveau 3 est plus efficace. Mais si vous voulez jouer Michael Lay, je pense que vraiment, la solution, d'ailleurs, je me ferai peut-être une liste de decks ce soir selon ce principe. Voilà, la solution, c'est un deck Rex Murphy solo avec Michael Lay x1, avec l'étrange solution Fiel Acide x2, Lampe Torche x2, Aventurier x2, Contrebande x2, demander un service pour remplacer l'aventurier par Michael Lay, éventuellement, bon, enfin, et ensuite, bon, les grands classiques, hein, déduction, perception et maîtrise, tant qu'à faire, vous rajoutez la perfection vient de l'entraînement pour tutorer tout ça. Dans ce que j'ai cité, il y a 4 cartes hors classe, donc vous avez le droit à une cinquième, donc je peux peut-être un. Ah non, il n'a pas le droit à chanceux. Mais comme vous visez la réussite par deux ou plus, bah vous vous mettez en accessoire l'étui à cigarette porte-bonheur, par exemple. Et bah, je pense que vous avez un deck assez costaud pour assez costaud, assez fiable pour du solo. Et j'y pense d'un coup. En neutre, oui, on a aussi Planque de niveau 3, qui peut permettre de prendre 4 ressources ou de mettre 4 provisions réparties sur les soutiens contrôlés par les investigateurs dans le lieu. Donc ça vous recharge votre aventurier, votre lampe torche, votre étrange solution, et ensuite par-dessus vous mettez contrebande, donc voilà. Voilà, vous avez un deck de conception simple et fiable. Mais c'est vraiment, je pense que c'est le seul type de deck où je mettrais Michael Lay plutôt qu'un autre allié. Voilà. Et donc j'ai passé plein de temps à vous dire que la carte est quelconque. Et maintenant je vais passer à la suivante. Visez juste. Et oui, au passage, petite
Je commente rarement l'illustration et tous les aspects non purement mécaniques, mais quelqu'un dans les commentaires dit vous ne devriez probablement pas utiliser cette carte parce que visiblement la position du type sur l'image est très très mauvaise. Bref. Donc la carte, un événement gardien truand de niveau 1 qui coûte 0, très tactique. Lors de la prochaine action combattre que vous effectuez à ce tour, en utilisant soutien à distance ou arme à feu, traitez chaque pion, crâne, cultiste, tablette, chose ancienne ou échec automatique que vous révélez comme étant un 0. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Alors, les cibles, les armes à feu, les armes à distance, beaucoup en gardien, trois différentes en survivant, plein en truand, et en neutre, c'est tout comment on appelle ça, des cartes. Ah, le nom m'échappe, j'ai mal à la tête aujourd'hui, j'arrive pas à réfléchir. Des cartes signature, voilà. Voilà. Alors, donc il y a plein de cibles pour cette carte, notamment dans les deux classes de cette carte. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Vous sacrifiez une action, la carte n'est pas rapide, donc vous sacrifiez une action. Alors, action qui ne provoque pas d'attaque d'opportunité, encore heureux. Vous sacrifiez une action pour augmenter fortement les chances de votre prochaine attaque. Sachant que, je crois que je l'ai dit plein de fois, le cercle brisé, c'est ma campagne favorite de celles que j'ai testées. Alors, si on regarde en expert, parce que, évidemment, se rendre les tests plus faciles, ça sert plus en expert. Alors, sachant qu'il y a deux pions spéciaux qui sont rajoutés en début de campagne, qui apparaissent pas là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, plus 2, ça fait 15. Avec visée juste, vous avez désormais 1, 2, 3, 4 et 5, 0 sur 15. Voilà, vous jouez en expert. Désormais, le tiers des pions KO ne diminue pas votre valeur de compétence. C'est un effet extrêmement efficace. Donc vraiment la logique c'est ça. Alors si vous jouez en expert, il y a toujours le moins 6, le moins 8. Si vous jouez en standard, le pire ça devient un moins 4. Et en standard, être à 4 au-dessus de la difficulté, c'est facile. Mais en tout cas, vu que vous annulez même l'échec automatique, maintenant, pour votre prochaine attaque, c'est purement une question de maths. Quel est votre... À combien au-dessus de la difficulté vous êtes? Quel est le pire pion? Est-ce que l'écart est supérieur au modificateur du pire pion? Enfin, supérieur ou égal. Si c'est le cas, vous réussirez votre attaque. Si c'est pas le cas, vous regardez combien de pions vous font rater, vous avez votre pourcentage de chance. Alors, quand est-ce que c'est utile de se garantir la réussite? Parce qu'après tout, au lieu de jouer cette carte, vous pourriez faire votre attaque, et si vous ratez, vous retentez. Et c'est important si l'ennemi a riposte. Par exemple, le magicien de l'ordre, le premier ennemi qu'on rencontre qui a riposte, si j'ai pas de bêtises. Bon, il inflige qu'un dégât. Dans l'héritage de Dunwich, un dégât, une horreur, c'est plus gênant. J'aurais pu mentionner le prêtre ghoul, qui lui inflige deux dégâts et deux horreurs, donc ça commence à chiffrer. Maintenant, concrètement, enfin concrètement, s'éviter, se garantir de ne pas prendre d'échec automatique, c'est bien. Mais multiplier le nombre de pions qui ne mettent pas de modificateurs négatifs, ça permet aussi d'avoir plus de chances de réussir largement. Donc là, on a toutes les armes qui donnent un bonus si on réussit largement. On peut mentionner par exemple alors, je sais pas si c'est là, le Beretta M1918, arme à deux mains, 4 munitions. Quand on attaque, il faut l'incliner, et dépenser de munitions, bien sûr. Vous gagnez plus 4 en force et infligez plus un dégât pour cette attaque.
En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, soit vous redressez le Beretta M1918, soit cette attaque inflige plus un dégât supplémentaire. En cas de réussite avec une différence de 4 ou plus, faites les deux à la place. Donc cette arme-là, quand elle fonctionne, elle est efficace. Mais il faut l'incliner et on n'est pas sûr de pouvoir la redresser. Donc avec visée juste, eh ben vous avez votre plus 4 en force, donc a priori vous partez déjà de 5. Vous avez une compétence modifiée de 9, voire peut-être plus. Vous infligez 2 dégâts en cas de réussite. Si vous réussissez de 2, vous allez redresser pour pouvoir de nouveau attaquer. Si vous réussissez de 4, vous allez redresser et faire un troisième dégât. Et donc, ça vous permettra, avec votre troisième action du tour, d'attaquer de nouveau en espérant réussir de 2 pour faire le troisième dégât. Si c'est votre dernière action du tour, vous vous en moquez de ne pas pouvoir redresser la carte. Mais si vous avez un ennemi qui a 6 points de vie, si vous avez un ennemi, on va dire plutôt qui a plus de 3 points de vie, vous voulez pas vous retrouver avec le Beretta, marqué là, le Beretta, vous ne voulez pas vous retrouver avec le Beretta incliné avant votre dernière attaque. Donc visez juste, vous garantit de redresser votre arme pour faire une deuxième attaque, et si la deuxième attaque est réussie, parce que là pour le coup, de nouveau, il y a le hasard de l'échec automatique, si les deux attaques sont réussies, vous avez vos 4 dégâts. Le fusil de chasse de la boîte de base. Vous combattez à plus 3 en force et vous infligez un dégât par point de réussite, minimum 1, maximum 5. Donc là, encore une fois, vous êtes un combattant, donc a priori vous avez une force de 5, plus les 3 de l'arme, vous attaquez à 8 contre la valeur de combat de votre adversaire, qui devrait être maximum de 4 ou 5, et 1-0, ça veut dire une réussite de 4. Ça veut dire qu'en une action, vous avez infligé 4 dégâts. Voilà, et ce coup-ci, en truand, l'équivalent du fusil de chasse des gardiens, le fusil à canoncier. Alors lui, il n'a pas de bonus de force. Il inflige également un dégât pour chaque point de réussite, de 1 à 6. Alors l'arme gardien c'est maximum 5, l'arme truand c'est maximum 6. Par contre, pas de bonus de compétences, il faudra amener les bonus de compétences ailleurs. Mais encore une fois, vous jouez avec votre première action, visez juste. Sur votre deuxième action, vous attaquez en utilisant des bonus, alors je sais pas moi, des cartes compétences ou relations influentes ou des cartes compétences. Ouais, je l'ai déjà dit, cartes compétences. Ou je sais pas, vous dépensez des ressources pour vous booster avec un talent. Il n'y a pas d'échec automatique, donc vous gaspillez pas une des deux, il n'y a que 2 munitions. Et puis vous avez une attaque garantie. Quand je dis garantie, c'est vous connaissez votre valeur de compétence, vous savez que vous ne risquez pas d'échouer automatiquement, et vous connaissez le pire modificateur numérique. Donc vous faites le calcul. Par exemple, en standard, vous dites j'attaque avec une valeur de compétence de 10, le pire c'est le moins 4, donc je fais au minimum 6 dégâts. Vu que le maximum de l'arme c'est 6, vous dites je sais que je vais faire 6 dégâts. Et vous pouvez. Ensuite, dernière action, vous vous remettez à la chance du sac du chaos. À moins que vous ayez 4 actions et que vous fassiez à moins que vous ayez 4 actions et que vous fassiez première action visée juste, deuxième action attaque dont je connais par avance le pire résultat, troisième action visée juste, quatrième action deuxième attaque dont je connais à l'avance le pire résultat possible. Et mine de rien, dans un deck truand avec Léo De Luca, avec relations influentes, notamment, idéalement de niveau 2,
Donc, que je reprenne la carte, voilà. Visez juste 5 XP, il vous en faut 2, ça vous fait 2 XP. Le fusil à canoncier, il vous coûte 5 XP. On est à 7. Léo De Luca, 0 XP. Relation influente, 3 XP par copie, vous en avez besoin que d'une seule copie en jeu. Donc ça vous fait une combo à 10 XP. Vous arrivez à la fin d'un scénario. Vous affrontez l'ennemi final qui a beaucoup de points de vie. Donc, première action, vous jouez visé juste. Deuxième action, vous dites je combats avec mon fusil à canoncier, je dépense la première munition. J'incline relation influente, je me donne un boost de plus 1 par lot de 4 ressources dans ma réserve. Donc, je sais pas, mettons que vous avez 20 ressources. Mettons que vous avez, allez, pour faire simple, 22 ressources, tout à fait crédible, pour un truand friqué. Ça vous fait un plus 5. Donc, votre truand qui a une valeur de combat de 5, par exemple, fait son attaque à 10. Il pioche son moins 4, il fait 6 dégâts. Troisième action, visée juste. Quatrième action, combat. Il dépense 2 ressources pour redresser relation influente, puis il utilise relation influente, il a 20 ressources, donc de nouveau 1 plus 5, de nouveau une attaque à 10, au pire un moins 4 qui est pioché, donc de nouveau 6 dégâts. Et votre truand spécialiste en combat, en une phase d'investigation, a fait sans risque, ses 12 dégâts. Alors, dans un duo, 12 dégâts, ça fait 6 dégâts par investigateur. Et des ennemis avec plus de 6 dégâts par investigateur, il n'y en a quand même pas des masses. Donc, si vous vous spécialisez en combat, vous pouvez faire tourner votre deck autour de ça, pour une très grande efficacité. Et à noter, je vais le mentionner rapidement parce que j'en parlerai plus en détail plus tard, dans ce pack, bah, j'en parlerai dans ma vidéo de demain, je pense, également biclassé gardien truand, l'étui pratique, ça occupe un emplacement de corps. Vous pouvez y attacher une arme à feu qui occupe un seul emplacement de main, et en action rapide, vous faites l'action combattre de cette arme à feu sans payer son coût en action. Donc par exemple, dans la combo que je viens de vous mentionner, eh ben, le fusil à canoncier n'occupe qu'un emplacement de main, donc on peut l'attacher à l'étui pratique. Son action de combat, on la fait en action rapide. Donc on n'a même plus besoin de Léo De Luca pour faire « je vise, je tire, je vise, je tire ». Vu qu'un des deux tirs, on le fera en action rapide. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce pack. Du coup, ben allez, très très rapidement. Michael Lay, il est trop cher dans à peu près tous les decks. Mais maintenant que j'y ai pensé, j'ai envie de me faire un deck... J'ai envie de le mettre dans un deck Joe Diamond solo avec, je vais y arriver, étrange solution fiel acide comme solution de combat pour voir ce que ça donne. Et visez juste, alors vous dépensez une action, donc vous sacrifiez une action d'attaque pour garantir l'action d'attaque suivante. C'est une carte pour de l'expert. En standard, si vous avez un bon deck de combattant, vous gâchez pas une attaque. Mais par contre, en expert, se garantir un résultat, ça a une valeur énorme. Ah oui, je l'ai pas mentionné. Bien évidemment, si vous avez plein de pions avantageux dans le sec du... Je reprends. Si vous avez plein de pions avantageux dans le sac du chaos pour une action, eh ben... ça démultiplie l'effet de toute la manipulation de pions. Alors, je vais quand même en mentionner un, parce que je viens seulement d'y penser, mais voilà, chez les mystiques, sombre prophétie. J'y avais pas pensé avant. Donc, un événement rapide à jouer quand vous devriez révéler un pion KO. Révéler 5 pions KO au lieu de 1.
Choisissez l'un de ces pions avec un symbole, crâne, cultiste, tablette, chose ancienne ou échec automatique pour le résoudre et ignorez les autres. Si aucun de ces pions n'est révélé, choisissez n'importe lequel de ces pions révélés pour le résoudre et ignorez les autres. Donc, vous piochez 5 pions au lieu d'un seul, vous devez résoudre un de ces pions si vous le piochez. Sinon, vous choisissez lequel des 5 pions vous résolvez, sachant que ces 5 pions-là, grâce à visée juste, eh ben, ce sont des zéros. Donc, si je reprends le cas du cercle brisé en expert, j'avais compté tout à l'heure, 15 pions qui spécifiquement, grâce à visée juste, sont considérés comme des zéros. Alors, je vais quand même vérifier, mais traité comme étant un zéro. Mais ça reste les mêmes pions, donc pour moi, il y a combo entre les deux. Donc voilà, vous avez 15 pions. Vous avez 15 pions qui vont être considérés comme étant un zéro. Alors, je vais quand même... J'ai un petit doute, je vais quand même relire... traiter chaque pion que vous révélez. Moi, ouais, je pense que la combo marche. Si elle marche pas, si vous pensez qu'elle marche pas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais voilà, donc vous jouez visé juste. Vous faites votre autre action. Je reprends. Vous jouez visé juste avec une action. Action suivante, vous déclarez un combat. Avant de révéler le pion, vous jouez sombre prophétie. Vous piochez 5 pions. Pire des situations, vous piochez les pires 5 pions, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, moins 2, moins 3, moins 4, moins 6, moins 8. Donc, la combinaison des deux cartes vous dit que pour cette attaque, le pire modificateur que vous avez, c'est un moins 2. Donc, tous les raisonnements dont j'ai parlé sur déterminer quel va être le pire pion, voilà. Le pire pion, c'est plus le moins 8, c'est le moins 2. Et donc, la combo est disponible notamment pour Dexter Drake. Ou Séphina Rousseau. Bon, voilà. Après cet ajout de dernière minute, je vais m'arrêter là. Suite des cartes biclassées gardien truand demain. Suite et fin, d'ailleurs. Moi, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.